avec des points qui Fox. Aucune parole de consolation et de regret n'a été adressée aux victimes. Ah, ok, de mais parce que. La promesse de réparation. Par notre action personnelle et militante, nous sommes engagés avec sérieux dans ce mouvement du peuple, car nous sommes conscients que les victimes de Paris-France n'est pas la destitution du président, mais la mise en place d'une démocratie équitable, participative, au niveau des prises de décision essentielles pour l'avenir de notre pays. Nous ne militons en aucun cas pour l'utilisation de la violence, ni pour des méthodes de pression qui détruiraient l'économie, sachant que le dialogue pacifique est porteur de bons fruits lorsque ce dernier est souhaité profondément et entériné par les deux parties en présence, avec responsabilité, maturité et efficacité, en allant directement vers un traitement efficace et courageux des problèmes de fond. Nous demandons l'abandon immédiat de l'utilisation des armes qui ont provoqué toutes les blessures graves des manifestants. Bravo, bravo. Là, il y a Alain pour les chiffres. Alain pour les chiffres. Les chiffres exacts, c'est ça? Ouais, les chiffres des blessés jusqu'à samedi. Avant samedi. Avant samedi. Alors, par contre, il faut vraiment le manger carrément. Tu parles fort. Par contre, des fois, pieds sur le tout. Voilà. Bonjour. Plus fort. Donc la part ici des chiffres donc, avant la manifestation, parce que ceux-ci ont effectivement évolué depuis. Moi c'est Alain, je suis en relation avec les sites médics de Paris. Et pour l'instant, on avait déploré ces chiffres qui ont été annoncés, confirmés même à l'Assemblée nationale. 1800 blessés parmi les manifestants, en plus des 1000 blessés possibles. 12 gilets jaunes sont morts, 12 gilets jaunes sont morts, 160 blessés à la tête, 400 déformés, 400 morts à la tête, donc simplement comme ça, sur des présomptions, on va dire. Parmi ça, David Dufresne, que vous connaissez sans doute, signalant les signalements, a déclaré qu'il y avait 357 signalements qui ont été faits, dont une partie en manquant ce qu'il appelle un manquement à la déontologie, mais surtout aussi à partir de 250 blessés, 17 blessés graves, donc, et à propos des blessés à la tête, donc c'était les 150 blessés par rapport à des LBD. Et il y a également 118 enquêtes IGPN qui ont été déclarées à partir de tout ça. Plus jamais vu, hein. Donc effectivement, c'est du jeudi. Plus jamais vu, c'est du grand. Je vais aussi dire que les sites médics sont tout à fait mémorables dans leur action et ils ont besoin de fourniture, essentiellement des compresses, des reprises physiologiques. Et vous pouvez éventuellement leur apporter dans un petit sac avant de manifester si vous en avez l'occasion. Donc, ils font également des formations. Bon, maintenant, c'est plus la peine de distribuer l'info un peu partout. Et en toute forme de réunion à Paris pour former vous-même aux gestes qui sont ainsi qu'aux attitudes à avoir face aux forces de l'ordre. C'est extrêmement important, par exemple, on peut paniquer. Donc. Mais il y aura sans doute une autre réunion dans 12 jours à partir de maintenant. Donc, je vous en informe. Voilà. Merci. Bonjour, je me permets de prendre le micro entre guillemets pour vous annoncer que le 20 février, c'est très important, il y a les gilets jaunes allemands qui nous rejoignent, les gilets jaunes suisses qui seront là-bas. Il y a un sitting organisé par un groupe qui s'appelle Justice pour tous à Genève, Place des Nations. J'ai pas réussi à regrouper un tas de monde, il faudrait que tous, on envoie le mot, moi j'ai fait passer des tracts, j'ai imprimé des tracts en AG, etc. Il faudrait qu'on s'organise par covoiturage, voir au niveau des mairies si elles peuvent nous avoir des bus, voilà. Là-bas, arriver sur place, c'est 15 euros l'aller
à l'aller et le retour pour Genève. On commence le sitting à 10h, il se termine à 12h. Et peut-être possibilité pour le groupe français d'Albertville d'être reçu à l'ONU. C'est en phase de discussion. C'est très important parce qu'on a l'impression qu'ici, on ne nous entend plus. C'est le pot de fer contre le pot de terre. Donc je pense que la justice, il faut aller la chercher ailleurs, ici, maintenant. Moi, hier, j'ai fait un petit tour sur la House, si je voulais vous dire. Je ne plébiscite personne, mais je m'entretiens fréquemment avec l'avocat Maître Deveul que vous connaissez, qui est vraiment un homme. Dans notre mouvement, on s'en fout des étiquettes, parce que de toute façon, avoir une étiquette, c'est contre-productif. On rejette la classe politique de toute façon. Donc on est tous sans étiquette. Parce que j'ai entendu dire des choses, oui, mais l'autre, il est ci et l'autre, il est ça. On s'en fout, tous unis. Et si on peut chercher de l'aide de personnes qui pèsent comme lui, et qui sont très investis dans la cause, il faut y aller, quoi. J'ai monté une cagnotte. Alors bien sûr, les cagnottes, ben, il y en a partout. Alors il y a des groupes, il y en a partout, on ne sait plus comment faire. C'est très sérieux. C'est aussi, je ne sais pas si vous avez entendu parler des gilets jaunes, robes noires, gilets jaunes. Il y a beaucoup de confrères de Maître Deveul qui se rallient à la cause et qui sont prêts. Mais par contre, ils ne peuvent pas bosser, se déplacer en province, voir les plaignants, etc. gratuitement. Donc il y a une cagnotte qui a été lancée qui s'appelle... Je m'en souviens plus. Je suis désolée, il y a une cagnotte. Il y a un groupe qui s'est créé, c'est recensement, gilets jaunes, recensement sur toute la France des victimes. Et là-dessus, il y a la cagnotte. Vous regardez, c'est sur Pau Commun. La cagnotte est sur Pau Commun, pas PayPal, pas bien sûr Litchi, parce qu'il y en a qui ouvrent encore des cagnottes sur Litchi. On vient leur passe. Et donc voilà. Et moi hier, j'ai terminé. Je suis allée sur la plage de la République. Ramasser tout ce qui balance. Et j'ai fait ça en quoi ? J'ai fait ça en 20 minutes. Ah ouais, il faut ramasser un maximum parce que ça, c'est une épreuve. Il y a beaucoup pour que ça garde normalement. Voilà. Il y en a encore. J'en ai chez moi. J'en ai ramené un petit peu. Non, j'en ai encore. Hein. Voilà. 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 Oui, etc. etc. Ouais, mais c'est pas grave. Vaut mieux avoir les mains sales qu'un œil en moins, non ? Donc voilà, je vais arrêter de vous embêter. Mais en tout cas, il faut savoir se défendre. Voilà. Et j'en ai encore chez moi. Et je tournais un peu en rond sur la place à parcourir quand ils me chargeaient, etc. En fait, je me suis dit, bon, il faut que je m'occupe. Et ça, j'ai ramassé ça en quoi ? En à peine 10 minutes. Mais je ne pouvais pas faire toute la place. Donc voilà, je vous conseille d'en faire autant, de ramasser un maximum de choses, parce qu'un jour, je pense qu'il y aura un procès. Là, si on vous a envoyé aux élus, nous, en 77, on les a balancés sur la table dans les villes, déjà. D'accord. Ouais, c'est juste ça. Ok. Bon, bah, tu vois, j'ai fait, hein. Ouais, ok, ça marche. Bon, bah merci de m'avoir écouté. Je suis désolée, j'ai monopolisé un peu. Et surtout, pensez-y, le 20 février, moi j'y serai. Je trouve ça très important, il faut se montrer. Les Allemands sont là-bas et les Suisses aussi. Voilà, on peut avoir un bel appui. Merci beaucoup et bon courage. Ok. Merci.